Marie-Claire est une jeune malgache. Son rêve est de transformer la vie de nombreux enfants. Directrice de l'École du Monde à Madagascar, c'est à Saint-Denis qu'elle est venue s'inspirer de l'École du Bonheur. Venue ici pour déjà améliorer notre façon de travailler dans l'école, voir comment ça marche, comment ça fonctionne. En plus, ils sont vraiment partants aussi à nous aider, nous soutenir. Cette visite était l'occasion d'échanger sur de nombreuses idées et pratiques éducatives, le tout en amorçant un partenariat bénéfique entre Madagascar et Saint-Denis. Beaucoup de possibilités de partenariat. Il y aura des échanges avec nos élèves, nous et les élèves ici, pour travailler sur l'ouverture du monde, que ce soit ici ou à Madagascar. Des choses très simples qui ne coûteront pas d'argent. L'École du Monde à Bessel utilise déjà tout ce qui est numérique. Les enfants entre midi et deux pourront se rencontrer sans payer de billets d'avion. Dans cette coopération avec les enfants, on a bon espoir de développer cette meilleure connaissance mutuelle, cette acceptation de l'autre. Vous voyez, l'École du Bonheur continue à progresser. On a commencé en 2021 et maintenant on est en 2023 et on va le poursuivre en 2024 et peut-être même élargir nos horizons. Madagascar ou encore Namibie et Mozambique, Saint-Denis se développe et veut construire aujourd'hui de solides partenariats dans l'océan Indien.